Je faisais du désherbage en prélevé. Maintenant, je fais du désherbage en post-levé, aussi bien pour les céréales que pour le maïs. Et diminution des phytos, mais par contre, ça demande une plus grande observation. On mélange les variétés de blé ou de triticale pour avoir des variétés qui soient plus résistantes les unes que les autres, pour essayer de diminuer, voire supprimer la partie fongicide. Ça fait 2 ans qu'on ne traite plus les semences non plus, hein. C'est un petit peu plus épais. Plus de glyphosate, donc c'est une volonté de l'établissement. Bon, moi je dis c'est une bonne chose, hein. Je pense qu'en rotation longue, on doit pouvoir s'en passer. Par contre, en rotation courte, c'est plus difficile. Que sur le lycée, on a 2 types de rotation. Une rotation maïs, céréales, herbes, prairies donc de 3 ans. Et une rotation un petit peu plus intensive sur des parcelles où il y a un peu plus de terre, hein. Où c'est maïs, céréales, ensuite interculture, soit très gras d'Italie, trèfle, incarnat ou métaille, cette année on a semé du métaille, ou des couverts agrifaunes. Ensuite, ça, au printemps, ça revient à maïs, ensuite une céréale, et après des fois ça revient encore un couvert pour refaire un maïs. Donc, de forte sécheresse, hein, et cette année on a fait des rendements vraiment petits en maïs, hein, d'ordre de 7-8 tonnes de matière sèche hectare. Hein. Donc pour pallier ce déficit, on a semé beaucoup de prairies là à l'automne, longue durée de 3 ans, hein, très gras hybride, très violet, plus des régras d'Italie, très fin carnat, plus du métail pour vraiment faire des stocks au printemps, tout en continuant de faire du maïs quand même derrière. Déjà, il ne faut pas qu'il perde espoir, hein, que c'est vraiment un bon métier, l'agriculteur. Il faut qu'il pense à respecter l'environnement, respecter les tiers personnes et se respecter eux-mêmes. Hein. Et je pense qu'on peut venir vivre en bonne communauté avec tout le monde, si tout le monde se respecte. Le travail en groupe est très important et voilà, faut pas hésiter à s'ouvrir, quoi, à aller vers les autres, voir ce qui se fait ailleurs.